super costumes d'Halloween, les mécaniciens. Vous êtes prêts pour la chasse aux bonbons? Désolé, les mécaniciens. Je dois finir la vidange de bébé camion. Allez-y, je vous retrouverai. Farce ou friandise. Bah, vous n'aurez pas de bonbons à moins que vous ne me fassiez peur. Et rien, mais rien ne me fait peur. C'est nul. Je crois que je vais devoir manger tous ces bonbons tout seul. Déjà de retour? Oh, je suis désolée, les mécaniciens. Attendez, qu'est-ce que c'est, bébé camion? Ah ah! C'est une bonne idée! Encore ces chasseurs de bonbons ennuyeux! Laissez-moi tranquille, je ne veux pas... Hein? Ah! 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 Bien joué, bébé camion! Il a eu une sacrée peur d'Halloween! Joyeux Halloween! Bonjour tout le monde! On est en train de réparer Mama Recycle! Mais, oh, il se fait tard! Vous allez devoir rester pour une soirée pyjama! Allez tout le monde! Il est temps de se préparer à aller au lit! Wow! Ils sont tellement excités qu'ils n'arriveront jamais à dormir! Mais j'ai une idée! Il est temps d'être tout propre! Avant d'aller se coucher et de rêver! Il est maintenant temps de se sécher. Je viens vous chercher. Dormiront jamais comme ça. Attends une minute, j'ai une autre idée. Mes canaux endormis, reposez-vous. Après avoir travaillé si durement. Bébé camion, bleu, rouge, jaune et vert. Allez au lit, bonne nuit de beau rêve. Bonne nuit, tout le monde. On est presque arrivé au garage, les mécaniciens. Wow! Quelqu'un a jeté des ordures sur la route. Il y en a beaucoup. Et Maman Recyclage n'a pas l'air contente. Allez, si on suit la piste, on découvrira qui les a jetés. La piste nous amène à gauche. Hein? C'est Dylan, le camion Ben. Son coffre cassé laisse tomber des détritus. Mais la musique est si forte qu'il ne le remarque pas. Oh.
les mécaniciens. Nous devons éteindre la musique de Dylan. Recyclons et sauvons la journée. Et utilisons des choses qu'on a jetées. Dylan! Dylan! Ton coffre, il est cassé. Mais ne t'inquiète pas, je vais le réparer. Pendant que maman recyclage et les mécaniciens trient les déchets. Ah, c'est fait. Comment se passe le tri? À très bientôt pour de nouvelles aventures au garage de Gecko. Dylan, baisse le son. Passe-moi une clé à molette, s'il te plaît. Ce boulon est desserré. On ferait mieux d'y aller, Tilly. Il ne faut pas être en retard. Du garage s'ouvre à toute vitesse. Il est temps d'aider un véhicule. Bonjour les mécaniciens. Debout de bonne heure pour une nouvelle journée de travail. Bleu? Nom d'un petit boulon. Je pense qu'il est somnambule. Réveille-toi, Bleu. Un garage n'est pas un endroit sûr pour les somnambules. Bleu! 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 Et voilà, Rouge. Tu es comme neuf. Ah, j'ai l'impression que c'est hier que je vous ai tous construit. Mais ne vous inquiétez pas, je garde vos plans en sécurité ici. Ainsi, je saurai toujours comment vous réparer. Si je pouvais mettre la main sur ces plans, je pourrais fabriquer mon propre mécanicien. Et mon garage serait alors le meilleur au monde. Réveille-toi, Sly. J'ai un plan astucieux. Oh, Sly, qu'est-ce que tu fais là? Où est Monsieur Weasel? Un problème avec ton pot d'échappement? Eh bien, si Monsieur Weasel n'est pas là, je vais y jeter un coup d'œil. Je vais trouver ses plans. Je vais trouver ses plans. Peux-tu me passer une pince, s'il te plaît? Laisse tomber, poubelle. Les plans sont à moi maintenant. Ouf, je l'ai eu. Ah, tu es réparé, Sly.
Oh, ouf. Hé, Rouge, tu as déjà besoin d'une autre réparation? Bonjour tout le monde. On modernise la station de lavage pour qu'elle puisse projeter de la peinture. Ok, maman camion, c'est parti! Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre que la peinture sèche. Qu'est-ce qu'on va faire? Que diriez-vous d'une partie de cache-cache? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prêt ou pas? J'arrive! As-tu vu bébé et les mécaniciens, maman camion? Où peuvent-ils être? Je vais peut-être regarder par ici. Ha! Je vous ai trouvé! Maintenant, à mon tour de me cacher! Prochaine. Au revoir. Salut tout le monde. Bienvenue à nouveau au garage de Gecko. On fait juste un check-up de Bobby le bus. On a presque fini. Attendez, les mécaniciens, je suis encore en haut. Bobby! Bobby! Oh mince, il ne peut pas m'entendre! Les mécaniciens! Vite! Faites quelque chose! Regardez! Un pont droit devant! Wow! C'était vraiment moins une! Oh, regarde, un pont haut! Bonne idée, les mécaniciens! Il faut juste que j'attrape l'échelle! Oh! Raté! Et maintenant quoi? Oh! Wow! Bien joué, Jaune! Tu as sauvé la journée! C'est bon, Bobby! Tu ne savais pas! Et personne n'a été blessé! Merci pour votre aide, les mécaniciens. Qu'est-ce que je ferais sans vous? Au revoir. Viens donc, Vert. Chargeons tous ces vieux trucs dans Tilly. Oups. Désolé, Jaune. Ce vieux sofa doit aller à la déchetterie. On ne peut pas le garder. La famille camion. Maman camion, maman recyclage et bébé camion.
Pauvre bébé camion. Quel atterrissage difficile. Si seulement il y avait un moyen de le rendre plus doux. Qu'est-ce qu'il y a, maman recyclage? Tu as une idée? Bébé camion, tu devrais atterrir en douceur cette fois. De rien, bébé camion. Oh, merci, maman recyclage. C'est toujours bien de faire quelque chose de neuf avec quelque chose de vieux. Maman camion et bébé camion, pourquoi vous attendez ici? Le tunnel est bloqué et vous ne pouvez pas passer? Je vais jeter un coup d'œil. Waouh! Il y a eu un effondrement! Un autre effondrement! Nous sommes piégés à l'intérieur! Ne vous inquiétez pas, j'ai ma boîte à outils! On va avoir besoin d'une plus grande boîte à outils! Tilly n'est pas assez fort pour déplacer le rocher. Comment allons-nous sortir? T'es si forte! Maman camion a sauvé la journée! Je ferais mieux d'appeler Eric la pelleteuse pour enlever toutes les pierres! À bientôt pour d'autres aventures au garage de Gecko! Bonjour à tous! On est sur le point d'installer le nouvel accessoire de Trevor! Vert, peux-tu me passer le... Vert? 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 Où es-tu? Vert est en train d'arroser son arbre préféré. Oh, hors de mon chemin, Minus. Je vais construire mon nouveau café de malbouffe. Et cet arbre est sur mon chemin. On dégage les poubelles. Cet arbre est de l'histoire ancienne. Monsieur Weasel, vous ne pouvez pas abattre l'arbre préféré de Vert. Pourquoi pas? C'est juste un arbre stupide. Parce que... Les pommes. Ça me donne une idée. Trevor. Moustache frétillante, qu'est-ce que tu fais? Oh.
Vous voyez, Monsieur Weasel, l'arbre est important. Il fait pousser des pommes savoureuses. Vous n'avez pas besoin d'un café de malbouffe quand vous avez cet arbre. Hein, tu crois que je préfère avoir des pommes stupides plutôt que... C'est délicieux. Je suis fière de toi, Vert. Tu as été courageux et tu as protégé cet arbre. Bravo. Nom d'un petit tournevis. Qui cela peut-il être? Oh, bonjour la grenouille. Tu as peut-être remarqué ma nouvelle voiture. C'est Sylvestre, ou Sly pour faire court. Salut Sylvestre, enchanté de te rencontrer. Oh, veuillez nous excuser. Quelqu'un a besoin de notre aide. Dylan a des problèmes sur le site du chantier. Permettez-nous de vous aider. Nous y serons en un rien de temps. Je pense que nous ferions mieux d'y aller quand même, les mécanos. Allez, Tilly la dépanneuse. Je me demande si on peut aider Dylan sans s'approcher de cette horrible boue. Ah! Pas ce bouton! Je savais qu'on allait régler ça. Tire, Sly! Est-ce que je dois tout faire moi-même? Sors-moi de là, Sly! Maudite soit cette misérable boue! Ne vous inquiétez pas, on va vite vous sortir de là. Allez, les mécaniciens! Peut-être aimerais-tu venir à ma station de lavage, Sly? Et vous êtes le bienvenu aussi, Monsieur Weasel. Non, merci. Ah! Oh, à très bientôt, tout le monde. Au revoir. Voilà, Eric. Ton bras devrait être à nouveau comme neuf. Les mécaniciens, que faites-vous? Oh, je vois. Vous cherchez un trésor de pirate. Bien, Moussaillon. Hein? C'était quoi ce bruit? Eric a trouvé quelque chose. C'est peut-être un trésor enfoui. Je me demande ce que c'est. Oh, jaune. Ce n'est peut-être pas de l'or, mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas un trésor. Oh! Tada! C'est un vieux wagon de chemin de fer, les amis. Il manque quelque chose. Ah! Waouh! Eric a trouvé l'ancienne voie ferrée! Essayez maintenant, les mécaniciens! Tu vois, ce n'est pas parce que quelque chose n'est ni en argent ni en or que ce n'est pas un trésor. Allez, les mécaniciens! Oh, quelle belle journée ensoleillée! Oh, mais qu'est-ce que ça peut bien être? Wow!
Avec ce gros ballon, on verra mon garage à des kilomètres à la ronde. Ah, qui ça peut être? Je suis occupé. Max, de l'air pour tes pneus? Oh, très bien. Attends, Monsieur Weasel ne met pas de l'air dans les pneus de Max. Il met l'hélium de ses ballons. Ce qui veut dire... Ne t'inquiète pas, Max, j'arrive. Hey, c'est un sacré coup de tournevis. Comment ça, de ma faute? Ne panique pas, Max. On va trouver quelque chose. Max, si je laisse sortir un peu d'air des pneus, on va partir en trombe comme un ballon. C'est ça, Max. Direction le garage. Et voilà, Max. Ils sont comme neufs. Je vais lui montrer à ce gecko dès que mon ballon publicitaire sera prêt. Oh. Bonjour tout le monde. Bienvenue au garage de Gecko. Il y a beaucoup de boue aujourd'hui, alors nous préparons le lavage de voiture. Regardez, voilà bébé camion qui vient se faire nettoyer. Salut bébé camion. Laisse-moi deviner ce que tu viens faire ici. Splish, splash et splosh. Lavage de voiture de Gecko activé. Ce n'est pas bon. Tu es encore plein de boue. Bien sûr, on ne l'a pas rempli de savon. On ne peut pas être propre sans savon. Maintenant que le savon est rempli à ras-bord, on peut laver toute cette boue. C'est bizarre. Les rouleaux sont faits pour enlever les bulles. C'est ça. Bébé camion est trop petit pour que les rouleaux puissent l'atteindre. Le lave-auto fonctionne et bébé camion est étincelant de propreté. C'est la signature de Gecko. Au revoir! Les portes du garage s'ouvrent à toute vitesse. Il est temps d'aider... beaucoup de véhicules dans le besoin. Nom d'un petit tournevis, les mécaniciens. Nos amis ont des pneus à plat. Oh là là! On dirait que les véhicules sont fatigués d'attendre. Oh, des écrous et des boulons. Je n'ai jamais eu à fixer autant de pneus aussi vite. En parlant de pneus rapides,
ça me fait penser à... Grand-mère! Voilà mon petit Geki. Avec un très gros travail sur les bras. Comment le sais-tu? Le cher petit bleu m'a fait savoir. C'est bien de demander de l'aide de temps en temps. Merci à vous deux. Heureuse de t'aider, comme tu m'as toujours aidée, ainsi que tous les autres. Maintenant, les enfants, on s'organise. Allez, allez, grand-mère. Bon, les mécaniciens, j'ai une idée. T'es exercé, Geki. J'ai appris de la meilleure. Reviens vite, mon cher. Merci, grand-mère. Je ne me lasserai jamais de travailler avec toi. Et tu ne te lasseras jamais de tes blagues non plus. Maintenant, qui a faim? Tu mérites un peu de repos, grand-mère. Mais j'ai apporté ton plat préféré. La tarte aux pommes de grand-mère. Oh! Voilà, c'est presque fini, Fiona. Voici ta nouvelle échelle. Oh! Hein? Kat, fais attention! Hola, Gecko! Moi et Elena, on s'entraîne à faire des loopings! Regarde un peu! Wouhou! Wouhou! Yeehaw! Essayons d'en faire un gros! Oh, attention, Kat! Oh non! Attention, ça tombe! Oh, est-ce que ça va, Rouge? Gecko, je ne peux pas atterrir sans les patins d'Elena. Oh non! Vite, les mécaniciens, on doit l'aider. Va me chercher ses roues, s'il te plaît. Ah, juste un peu plus près. J'essaye, j'essaye. Ouah! Ah, non! Accroche-toi, Gecko! Bleu, prends les patins. J'ai une bonne idée. Maintenant, Bleu! Un autre atterrissage heureux. Merci pour ton aide, Gecko. Pas de problème, Kat. Ça fait partie du service. Oh, bien joué, Kat. Gracias, Gecko. On est à la base de Kat aujourd'hui pour son anniversaire. On lui a acheté un gros gâteau. Mais chut! Elle ne le sait pas encore! On doit aller sauver quelqu'un. Ne t'inquiète pas, Jaune. Je dois juste ajuster le treuil. On doit tomber rapidement. Elena, arrête le rotor. Tu es prêt, Gecko? Presque, presque. Oui. Ah!
Encore un atterrissage heureux. Et... joyeux anniversaire, Kat. Ah, gracias, amigos. Hourra! Ah, hourra! Oh, qu'est-ce qui ne va pas, Vert? Waouh! Kat et Elena viennent nous aider à installer le tout nouveau gadget. Tenez-vous prêts, les mécaniciens. Vert? Hola, Gecko! Ah, salut, Kat! Haha, voici le moment d'installer un kit extra spécial. Allez-y, les mécaniciens. Je peux lui parler, Gecko? Merci, Kat. Qu'est-ce qui ne va pas, Corazon? Tu voudrais m'aider à faire quelque chose? Tout est prêt pour qu'on procède à un essai. Attendez, on ne peut pas le tester sans Vert. Parfois, je ne vais pas très bien non plus. Mais les sentiments tristes passent, comme les nuages. Nous sommes prêts au sol, Kat. Allez, allez, Elena, l'hélicoptère. À toi de jouer, Vert. Je crois en toi. Oh, oh, beau travail, Kat. C'était incroyable. Tout le mérite en revient à Vert. Oh, oh, bien joué, Vert. Rouge. Il fait vraiment chaud aujourd'hui. Regarde là-bas. Bébé et maman camion vont faire un pique-nique. Mais bébé n'a pas l'air bien du tout. Viens, bébé camion. On va t'examiner et voir ce qui ne va pas. C'est ça le problème, bébé. Tu as beaucoup trop chaud. Vite, les mécaniciens, allez chercher de l'eau. Oh là là, tu n'as pas bu assez d'eau, n'est-ce pas? C'est important de boire beaucoup d'eau quand il fait chaud. C'est mieux. Mais il me semble que tu as toujours trop chaud. Ah ah! J'ai trouvé! Mets le lave-auto sur le froid, s'il te plaît, Rouge. Très bien, bébé camion. Il est temps de se rafraîchir. Mieux. Maintenant, tu peux aller à ton pique-nique. Amuse-toi bien. Au revoir. Fiona, camion de pompiers. Qu'est-ce qu'il se passe? Ton tuyau ne fonctionne pas?
Jetons un coup d'œil. Ne t'inquiète pas, Fiona. On va vite te réparer. Je vais prendre ma meilleure clé à molette. Quoi? Allez les mécaniciens, aidez-moi s'il vous plaît. Tu vas bien, Jaune? Bon, je pense que le problème est réglé. Merci de nous avoir rendu visite au garage de Gecko, Fiona. Au revoir! Joyeux Halloween! Tout va bien, les mécaniciens. C'est juste moi, Gecko. Hein? Attendez une minute. C'est quoi ce bruit? On l'entend encore. Oh là là, j'espère que ce n'est pas un fantôme effrayant d'Halloween. Ouf! Peu importe ce que c'était, je crois que c'est parti. Oh non, les mécaniciens! Je pense que le garage est peut-être hanté! Bleu. Attendez une minute. Bleu, avance un peu. Le bruit ne se produit que lorsque tu bouges. Pas besoin de paniquer, de trembler et de crier. C'est seulement la roue de Bleu qui grince. Une petite goutte d'huile va résoudre ça. Et on pourra dire « Adieu, fantôme !» Ouf, la panique est terminée. Maintenant, on peut aller chercher des bonbons. Joyeux Halloween à vous tous! Au revoir! Ah, c'est tellement agréable d'être en vacances. J'adore le camping. Oh, le feu s'affaiblit. Jaune, tu peux aller chercher du bois, s'il te plaît? C'est le moment de raconter une histoire. Je crois que le livre d'histoire est dans la caravane, Vert. Merci, Jaune. Attends une minute. Ce sont les butées de roue. Ce qui veut dire... Vite! Arrêtez cette caravane! Il doit y avoir un moyen de l'arrêter.
Ah! Oh! Ouf! Merci, Hiver! Ah! Eh! Oh! 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 Eh! Sacré coup de tournevis! Ah! Oh! Oh! Hourra! Bon travail, Tilly! Oh, bien joué, tout le monde! On l'a échappé belle! Oui, Vert, c'est maintenant l'heure de l'histoire! À la prochaine! Au revoir! Salut tout le monde! C'est Gecko! On est sur le chemin du retour! Quoi? C'est bébé camion! Qu'est-ce qu'il y a, bébé camion? Tu as perdu ta tétine? Ne t'inquiète pas, on va te la retrouver! Allez, allez, les mécaniciens! Essaye de regarder près de ces fleurs rouges. Tu vois quelque chose? Et dans ce buisson vert? Tu vois quelque chose là-bas? Elle doit être ici, quelque part. Désolée, bébé camion. Je ne trouve ta tétine nulle part. Oh, bleu! Bien joué! Tu l'as trouvée! Et voilà, bébé camion. Ah! Tout est bien qui finit bien. Merci pour votre aide à tous. Au revoir! Bonjour à tous, on se prépare pour un carnaval. Les mécaniciens sont en train de terminer leurs costumes. Oh, j'adore ta veste, grand-mère. Merci, Geeky. Le carnaval, c'est l'amour. Bon, où sont les mini-métallous? Je veux voir leurs costumes. Une banane brillante. Oh, bleu, mon cœur. Tu n'as pas à être timide, Vert. Tu es superbe. Attendez, où est Rouge? Allez, tout le monde, commençons ce spectacle. Qu'est-ce qui ne va pas, l'ami? C'est le design de ton costume? C'est génial! Vraiment! C'est normal d'être nerveux, Rouge. Mais ne t'inquiète pas de ce qu'on pense de toi. Le carnaval, c'est l'occasion de s'exprimer et d'être fier de ce que tu es. Et je serai toujours fier de toi. Oh ouais! Démarrez vos moteurs! Allez, Rouge, tu peux le faire. Je suis si fière de vous tous. Que le carnaval continue.
bonjour à tous. Monsieur Weasel nous a mis au défi d'une partie de football. Et j'ai avec moi deux super camions dans mon équipe. Ce trophée est à moi. Les perdants de grenouilles ne peuvent rivaliser avec les gagnants de Weasel. Rappelle-toi, Max, tu restes dans les buts. Parce que tu bloques absolument tout. Démarrez vos moteurs. Enfin, si vous en avez un. Bonne chance, équipe. Amusez-vous bien. Et c'est parti. Bébé camion triple. Enfin, avec le ballon. Il n'y a aucun moyen de passer Max, le monstrueux gardien. Oh, les roues de Weasel passent à l'attaque. Superbe plaquage. Oh non, bébé camion a ne crevé. Oh, pauvre bébé, quel manque de chance. Weasel pour Sly qui tombe sur Tilly. À présent, le pot d'échappement de Tilly est tombé. Cette partie est folle. Passe-la-moi. Passe-la-moi, Sly. Tu ne feras que rater. Oh. Non. C'était de ta faute, Sly. Oh, bon sang. Vous avez tous deux besoin d'une solution rapide. Oh, c'est la mi-temps. Prenez vos outils et réparons. Réparons et chantons cette comptine. Bébé est blessée, mais courageuse quand même. Avec son pneu tout neuf, elle revient dans le game. Le pot de Tilly est tombé sous le choc. Rattachons-le, il sera fort comme un roc. On s'est reposé un peu, on y retourne et on fait de son mieux. Arrêtez de traîner, vous deux. Nous devons gagner, quoi qu'il puisse en coûter. L'équipe Gecko à l'attaque, préparée, prête à partir. Oh. Wow, Tilly est plus rapide que jamais avec son nouveau pot d'échappement. Attention! Faute! Un défi de corps par Weasel. Carton rouge! Jamais! Il reste encore quelques secondes. On peut gagner avec ce coup franc. Allez, allez l'équipe! But! Le garage de Gecko! Non, non, non! C'est pas juste! D'habitude, tricher, ça marche pour moi. Bien joué, les équipes! Le fair play a gagné aujourd'hui. Au revoir, tout le monde. Bonjour, Bobby. Allons bon. Remplaçons ce vieux pare-choc. Ah, écoutez-moi, les mécaniciens. Pouvez-vous enlever le pare-choc, s'il vous plaît? Avec précaution. Attention. Attention. Attention, les mécaniciens. Nous devons travailler ensemble. Aïe! Ouh! Ouf! Merci, Vert. Oh mince! Vous allez devoir finir la réparation tout seul, les mécaniciens. Merci, Hiver. Oh, les mécaniciens, vous devez travailler ensemble. Oh, bon travail, les mécaniciens. Vous voyez ce qu'on peut faire quand on travaille en équipe?
comme neuf, Bobby. Bien joué, Vert. Bonjour tout le monde. Nous allons à la plage aujourd'hui. Rappelez-vous, les mécaniciens. Ne prenez que ce dont nous avons besoin. Hein? Porte de garage, ouvrez-vous en grand. Il est temps d'aller au bord de la mer. Allez, allez, Tilly la dépanneuse. Vert ne peut pas attendre pour une crème glacée. Oh non! Vicky est en panne. Jetons un coup d'œil. Ah, je vois le problème. On va te remorquer jusqu'à la plage et je te réparerai là-bas. Tu vas bien, Tilly? Si tu as besoin de faire une pause, dis-le-moi. Oh! Nom d'un tournevis qui tourne! Maintenant, on est coincé. On va te ramener à la maison, Tilly. Mais d'abord, nous devons aider Vicky. Pas étonnant que tu te sentes fatiguée. Une bougie toute neuve est ce qu'il nous faut. Ah. Tu ferais mieux d'y aller, Vicky. Nous irons à la plage un autre jour, les mécaniciens. On doit d'abord réparer Tilly. Salut, Trevor. Pourrais-tu nous aider, s'il te plaît? J'ai une bonne idée. Merci, Trevor. Tu es comme neuf. Ah, notre cher ami Tilly. Nous t'aimons plus que tout. Maintenant, ce dont tu as besoin, c'est d'un repos bien mérité. Mais d'abord, sortez tous. Vous méritez tous une récompense spéciale. Tada! Si nous ne pouvons pas aller à la plage avec nos amis peuvent nous apporter la plage. Tout le monde. Bonjour tout le monde. Nous sommes en route pour la maison de Kat pour une vente de gâteaux. Hola amigos. Bienvenue à ma vente de gâteaux. Nous avons des beignets, des cupcakes et mon préféré, tres leches. Où sont les gâteaux, Kat? Oh non! Mes gâteaux ont été volés! Ces gâteaux sont délicieux! Et ils sont tous à moi! Pas à toi, Sly! Trouve tant d'autres! Je suis si plein! Je crois que je vais fermer les yeux. Oh non! Monsieur Weasel s'est endormi au volant. Suivons cette voiture de sport. Monsieur Weasel, réveillez-vous! Nous devons les arrêter. Accrochez-vous bien, les mécaniciens. Ah.
Monsieur Weasel, vous allez bien? Oh, ça va, Sly. C'est juste un pneu crevé. On peut le réparer. Gecko sait exactement quoi faire. Avec un pneu réparé, tu seras comme neuf. Gecko, des nouvelles de Megato? Excellente! Tu as retrouvé les gâteaux! Oui, bien joué, Sly! Non, non, non! Qui trouve, garde! Ils sont à moi! Non! Oups! Allez, Kat! Ramenons ces friandises où tu vends tes gâteaux! Au revoir, tout le monde!